Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé cette interview. Je n'ai pas accordé, tu m'as obligé. C'est juste un compliment. Merci beaucoup, c'est M. Mahamoud Ag Ismail Abdrahman, Mahaman Alaman Morosu. Marchid Ag Marchid, Tcharib Chen, Chourin, Chourin, Chourin. Quel nom kilométrique. D'accord. Vous êtes là depuis quelques jours, et quelle est la situation? La situation, elle est bonne, elle est mauvaise. Ah bon, comment? Elle est bonne parce que les feuilles de route, elles avaient commencé, c'était très bien. Ah donc, la situation, vous voulez dire... Toi, tu vas te taire, regarde. Et si Hermès Scodan, il va poser question, je vais répondre. D'accord, excusez-moi. Tu m'as obligé. Donc, je disais que c'est bon et que c'est pas bon. Mm-hmm. C'est bon parce que les feuilles de route, on n'a même pas commencé à écrire. Il y a le problème entre Gao et Kidal. Et comment ça? Les MAA. Mais ma arrête de Zouad, il est à terre, nous les Yemenida. Comment ça? Alors que nous, les Yemenida, on est pas seuls. Mais vous n'êtes pas ensemble, vous, avec l'autre groupe. Nous, on est ensemble avec la France. Avec qui? C'est la France qui est derrière nous. Comment ça? Tous les armées, c'est la France qui donnait nous. Regarde, écoute bien. Oui. L'armée, tout, oui. C'est la France qui nous donne l'armement. Donc vous voulez dire que vous êtes en complicité? Toi, tu vas te taire, je dis, complicité, c'est pas complicité. On est français, on est né en France, grandi en Libye, on travaille à Kidal maintenant. Ah bon? Ouais. Ah, donc vous venez de dire Kidal, donc cela veut dire que vous êtes malien alors, c'est Kidal Rawad. Ouais, c'est pour cela que j'ai Moussa Guéry Maïga, je l'ai changé. Ah bon? Parce que lui, il est d'origine du Niger. Oui. Donc c'est pour cela que j'ai changé, moi-même je vais bien. Tu as compris? Ah voilà. Donc alors monsieur, pourquoi vous vous rébellez? Pourquoi la guerre alors? Pourquoi la guerre? Toi tu comprends pas la situation à Kidal. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas goudron, il n'y a pas infrastructure. On va mort qu'à l'eau là-bas, on va se rébeller. Non, parce ça... que c'est le France qui pousse les pions. Ah d'accord, donc là vous êtes vraiment... La même manière, elle le connaît. Non. Mais maintenant que Kourmado, oui. Il se dit que c'est vrai, mais il y a même sauvé d'oré. Monsieur Denis Tewara Don, mais à Bamuso Bato. Là, c'est Bambara, donc cela veut dire que vous êtes un vrai manier. C'est pour ça. Mais alors, déposez les armes. Je ne dépose pas. Pourquoi on dépose? Le président, il est venu 3 mois, il n'a pas parlé de nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Non, donc, ça déposé. C'est juste un manque de temps, mais ça va aller. Ça va bien, mais comme on va encore, on va revenir en Algérie pour les négociations. Si c'est bon, c'est bon, il n'y a pas parlé, je ne vais déposer les armes. Donc, vous voulez dire que vous êtes entraîné par la... Alhamdulillah, le France. Voilà, c'est ça quoi. Il faut comprendre, nous les Azawadiens, on ne blague pas. Hein. Tu veux donner notre bonne situation, il n'y a pas de problème. Voilà. Monsieur, les enfants, les femmes... On s'en fout de ça. Nous, c'est l'accord là, on veut seulement. Bon accord. Tu as compris? D'accord. Je suis un destin de quelque part.